Nous toujours tendez des petits proverbes qui disent crier pas lever les morts. Et si crier te lever les morts, jodi en la gros paquet de victimes qui t'a bien vivant, qui t'a tourné à la vie pour aller crier nous crier. Nous connons nous gars ou qu'a manger petit nous. Nous connons moun qu'a fait crier yo. C'est mettre écran river sou yo. C'est mettre écran porter problème yo la caillou. Mouvement 29 mars là qui annoncé, c'est une occasion pour nous dire non à la sécurité, c'est une occasion pour nous dire non contre kidnapping, c'est une occasion pour nous porter problème devant l'autorité, devant acteurs politiques, devant groupe qui créent problème, devant groupe qui alimente gang, qui alimente insécurité en dedans pays. Eh bien, faut que nous connaissions ça pral fait demain là. Faut nous garder dans son ensemble. Faut nous garder différents aspects importants dans le mouvement, ça, dans la grande mobilisation ça qui lance. Que ce soit aspect regroupement, que ce soit rapport de force, et que ce soit chance de réussite mobilisation 29%. Et pas chouette, non? C'est pas chouette. Et ma profite annoncer nous. Jodi an la, bon nouvelle rubrique dans l'émission, qui c'est la page internationale, que Guerrier a gagné pour le présenter ou, et à travers rubrique ça, ou a gagné pour comprendre plus bien ce qui a passé sur scène internationale, ou a gagné pour comprendre tout, et relations haïtiano-américaines, haïtiano-dominicaines, un paquet de points importants qui a dominé l'actualité, hein, jodi an la, qui ça a dominé scène internationale, là, c'est guerre russo-ukrainienne, ou a gagné pour comprendre Mitio, ou a gagné pour comprendre et pour qui ça un paquet de pays en Afrique yo même yo pas prend position par rapport avec pays occidentaux yo pas voté contre la Russie yo pas prend de disposition contre la Russie donc et pendant toute semaine dans là on gagne pour on joindre un paquet information donc mes vidéos pour être focus pour être connecté pour qu'a joindre toute information ça yo tout détail yo. Bonjour bonsoir tout le monde bienvenue sur TAC 509 tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, pour nous faire débat, pour nous faire analyse sur situation politique difficile que pays a connu là, traversé là. Et surtout demain, c'est la grande mobilisation depuis plus passé et 8 mois. C'est vrai, t'es une mobilisation ouvrier, ça sont catégorie très spéciale, très à part. T'es une protestation et après assassinat, après la mort journaliste et Maximilien. Ça, c'est une autre catégorie. Mais là, c'est mobilisation générale qui lance dans tout pays, pour dire non contre insécurité, non avec mauvaise gestion, non avec corruption. Donc ça, lui-même, nous sommes l'autre bagaille. Ça, c'est ça fait pays. N'a bien pour nous parler sous ça. Et m'a rappelé où? Et ou bien on cap regarder vidéo à qui pourquoi abonner à la chaîne là pas hésiter faire ça pas hésiter abonner toujours songer activer petite cloche notification et comme ça n'a prêté connecté à chaque vidéo qui poste ou on connaît qui ça dit ou on connaît qui ça passe en dedans dans pays et puis c'est aider nous partager travail là aider nous partager travail là rester connecté pour n'aller plus loin des micro présentations c'est toujours même Yannick la même voix rien pas changé c'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. La politique est un rapport de force. La politique, l'on fait politique, c'est force en présence, c'est au même cap goumen. C'est qui soit kabay, qui soit ka offri, comment qui stratège ou gagne, qui mise en place ou fait, qui moyen de défense, qui moyen d'attaque, c'est ça que politique. Et là, on a regardé comment nèg ici, nèg en Haïti, politicien nous fait politique, ça soit bagay tête chargée. Puisque la caille nous, n'a d'accord, c'est politique d'hypocrisie qui fait, c'est trahison, c'est assassinat, c'est haine, c'est mépris. Yo pas fait politique dans intérêt pays, yo pas fait politique pour conforter intérêt pays, yo pas fait politique pour renforcer lien et lien stratégique, lien de défense pays, yo pas fait politique pour chercher stabilité. Jodi an la, acteur en présence sur scène politique là, ou jouent des acteurs dans société civile là. Politique, je dis, c'est un moyen d'enrichissement.
Et le map dit nous sommes moyens d'enrichissement, c'est enrichissement illicite. C'est enrichissement sans cause parce que l'on regarde dans qui condition misérable haïtien vive, dans qui saleté, dans qui crasse haïtien à vivre jodiant, et pourtant des nèg fait politique, ou tant de gen négociation qu'a fait, ou tant de gen don qu'a bail, ou tant de gen prêt qui garantit, ou tant de bon paquet ou paquet initiative acteur politique à prendre, ou tant de bon paquet initiative les autorités de l'état à prendre, alors que yo pas jamais vraiment qu'a bail résultat. Résultat escompté, résultat population peuple haïtien attendre, yo pas jamais qu'a joindre. Sinon jodi an pa t'ap gen yon insécurité instrumentalisée, pa t'ap gen yon paquet groupe gang jodi an qui a travaillé pour des acteurs politiques, des hommes du pouvoir qui a travaillé pour nèg sa yo qui yo même yo senti yo à l'aise dans insécurité parce que c'est dans insécurité pour yo mettre pour yo établir force yo, c'est dans insécurité pour yo gen garantie que prochaine élection k'ap gen pour fait c'est yo même k'ap prend pouvoir, c'est yo même k'ap c'est allié yo k'ap prend pouvoir. Donc yo senti yo à l'aise jodi an sous scène politique là que yo vle que yo pas vle, c'est une politique de l'usure. C'est temps qu'a passé, yo pa wè. Oreilles yo bouché, j'ai pété yo avec. 8 mois après assassinat président, ou gagné le pouvoir en place qui constituait des hommes à Michel Martelly, ou gagné pouvoir en place qui constituait de l'ancienne opposition politique SDP et allié, fusion et vérité, unité, uniforce, tout en dans pouvoir. Alors que 8 mois de cela, pour ne pas dire 4 ans de cela, c'est même Nexayo qui t'a pris béton, qui t'a foulé béton, qui t'a dou, on n'y a pas qu'à faire avec Jovenel Moïse, on n'y a pas besoin qu'à faire avec Jovenel Moïse, et voilà, je dis, tout est possible avec Ariel Henry. Nous voyons Ariel Henry qui pas levé le petit doigt contre sécurité, qui pas levé le petit doigt contre stabilité, qui pas pour dialogue, qui pas pour consensus politique, alors que yo ba nou encore primature déguisé. Yo ba nou encore en septembre déguisé qui pas capoter résultat, qui pas capoter fuit. Yo ferme les oreilles, yo bouche je yo pas ouais, yo pas attendre. Et puis insécurité li à cheval la valitere. Ou pas ou dans l'église ou pas à l'abri, ou dans l'école ou pas à l'abri. Peut-être la car ou pense ou ta gete rentré au moins là ou ta en sécurité ou pas à l'abri pired, gang bandi, yo rentré la car ou kidnappé petit tout, etc. Qu'est-ce qui doit se faire? Qu'est-ce qui peut se faire? Qui ça nous café réellement pour nous porter un résultat, pour nous freiner vague insécurité, pour nous freiner Nexayo qui sous pouvoir, qui a accaparé au pouvoir l'État, tant que c'était pour yo, tant que c'était bien maman yo, tant que son héritage et ancestralité, parce que depuis y a parlé de Haïti, c'est tes ancêtres qui t'es mouru qui t'es pour yo, pas de problème. Yo prétend tes ancêtres ça t'es mouru qui t'es pour yo, yo café ça ouvre, j'ai ouvre, yo pas de compte pour rien à personne. Yo pa gen kote pou yo rann avec nous-mêmes. L'opre 10 sénateurs sa yo ki nan parlement la, ki nan sénat. Yo pa gen kote pou yo rann nous parce que en tant que représentant nous. En tant que représentant nous dans sénat républicain, qui ça yo fait pour nous? Est-ce que yo fait voix nous passer? Est-ce que yo fait entendre voix nous? Non. Parce que m'a songé 4 ans de cela, avant yo assassiner Jovenel Moïse, avant yo assassiner président, t'as gagné initiative nouvelle constitution. Nexayo te érigé en grand défenseur de la nation pour le peuple a parlé nouvelle constitution. Peuple a parlé changement de constitution. Alors que si yo te vinn parler à peuple, si yo te rivé mande population haïtienne qui ça te vle dans chaque département que yo représente, yo t'a poué bon vouloir moun yo. Yo t'a poué qui ça moun yo envie, yo t'a poué désir moun yo. Yo pas de faire, yo décider pour nous et puis point boule. Point boule. Puisque c'est silence ça qui gagne pas bon côté autorité yo, puisque c'est silence ça qui gagne dans administration, c'est j'ai fermé ça, youn pa wè, youn pa tande, et puis nous même nous obligé à agir et c'est le moment d'agir. Pour nous agir, c'est ça que fait nous pral wè 3 aspects importants ça dans mobilisation, dans mouvement ça qui annoncé pour demain là. Regroupement. Là nous ka dit que nèg yo commencé prendre conscience.
Nous ka di que différents groupes, différents associations, regroupements dedans pays, yo commencé prendre conscience parce que là c'est pas une insécurité qui frappe seulement médecins, qui frappe seulement avocats, professeurs, élèves. Ça sont insécurité généralisée lié. Kidnapping nan ki gen là, son kidnapping généralisé lié, li frappe tout le monde par gon catégorie moun. Bon bien entendu, l'aime parler de par gon catégorie moun, ça veut dire pas gen yo pas identifié gens pas identifié Jacques par rapport avec et statut noir de dans pays en médecin avocat et professeur travail et machin yo pas fait distinguo ça mais bon catégorie par rapport avec moun sa yo qui en l'air net qui yo même yo protégé par vague sécurité hein? Parce que yo capacité on appelle yo rele ti la pli yo capacité on appelle yo rele iso yo capacité on appelle yo rele différent moun sa yo qui a fait kidnapping en dedans pays qui gen QG yo bien positionné yo connaît côté base kidnapper yo on y a qui s'acrivé regroupement qui gen la sous terrain mobilisation ça qui lancé c'est pas en catégorie moun c'est tout moun c'est la société civile qui la donne. C'est des acteurs politiques qui la donnent et nous obligent pour y donner, nous obligent de mettre un petit point d'interrogation sur cet acteur politique. Je m'a venu sur ça, m'a expliqué nous pour qui ça tout à l'heure. C'est professeur qui la donne, c'est travailleur qui la donne, c'est médecin qui la donne, c'est avocat qui la donne, c'est ingénieur qui la donne, c'est tout secteur, c'est l'église qui la donne, etc. Pour qu'ils soient prêts à comprendre. T'es un kidnapping spectaculaire qui fait. Yo allé dans l'église, yo prend pasteur, yo prend fidèle dans l'église, yo rentre. M'pa quoi n'oublier kidnapper ça, y a kidnapping ça. M'pa quoi n'oublier, youn nan visage kidnapper ou t'es rentré, bal 5 secondes, yo rentré au kidnapper pasteur avec l'autre monsieur dans cœur d'adoration, louange et puis aller avec yo. Nous pral comprendre un grain bagaille là. Si on dans l'église, on prie bon Dieu. On pas adorer ou livre corps et âme, ou dévoué pour la cause de l'évangile, ou pas épargné. Kidnapper a pas peur pour le rentrer, pour le prendre, pour la laver. M'pas ouais qui bon pral sentir en sécurité encore. Pas ouais qui bon de dans pays sans pral sentir ou à l'abri, ou pral sentir protégé. Donc c'est ça qui est extrêmement important. Pour chaque parti, pour chaque acteur, pour yon lever, pour yon camper, pour yon dire non. Et récemment, m'a tendé une interview qui t'a fait et avec et Père Gadi Maisonneuve, qui t'a expliqué que yon te kidnappé un père, yon kidnappé père dans une zone GOC. Et puis, dans qui zone yon allé avec lui, parce que c'est grand la vine qui te prend, dans zone côté yon mette là, il y a quelques mètres de l'église qui fait messe. Père a séquestré, li tande mes ka fèt, li tande pè ka bay l'osti, li tande après les moun frère, soeur al bay la main, etc. etc. Et li tande tout petit détail sa yo. Li tande tout petit détail sa yo. Mais pas au foil, pas tande que yo di l'église catholique pral camper, l'église catholique pral mobiliser, pral inviter moun pral la rue, pral inviter fidèle pral la rue pour aller dire non contre sécurité. Et le père a jeune libération. Le tête la jeune libération, c'est une bagaille qui t'est indigné parce que li wè vague sécurité, gen moun qui choisit faire silence sou li. Gen moun qui choisit jodi an la y a fait polémique avec insécurité qui gen. Yo choisi nan hinang avec insécurité qui gen là. C'est pas possible. Insécurité, l'église pas épargner, l'église protestant pas épargner, catholique pas épargner, l'école congréganiste pas épargner, l'école publique pas épargner, professeur pas épargner, si machin pas épargner, journaliste pas épargner, diaspora côté yo pas épargner. Parce que qui s'arrive, kidnapping fait en Haïti, faut l'argent soit rassemblé, faut qu'appel fait. Jusqu'à ce que yon jwenn dernier centime, nan fok yon rele tout moun yon konnen ki ka voye yon ti bay bay yon nan diaspora pou yon mande prete, pou yon mande fè yon kado. Eh bien, c'est ça, jodi an la nou rive nan extrême nan. Fok nou suspann mande prete, fok nou suspann mande fè yon kado, fok nou mobilize pou nou di non, au moins pou nou ka frene koze insécurité, pour nous ka frene koze kidnapping an de dan peyi. Pour ki sa kek fwa bandi yon dou, ok, pa gen problème nou fè 13. Ou pensez c'est bon matin au lever au senti yo fait nous assez yo fait nous trop. Ou pensez c'est tellement yo fait nous yo prend conscience que yo fait nous trop, yo décidé yo fait trêve. Jamais. Le groupe
gang yo décide de faire trêve. Le Izo décide de faire trêve. Le Tinapli décide de faire trêve. Le Lamassan joue décide de faire trêve. Chris Lau décide de faire trêve. C'est pas au bon vouloir, c'est pas au même qui en est décidé à faire trêve. Gen négociation qui fait, gen entente qui fait. Par contre, si c'est l'argent, je ne sais pas combien l'argent, mais c'est négociation, c'est à la base de négociation. Je dis en là, il faut admettre que même le nègre qui a décidé de négocier avec autorité pour faire trêve, autorité ne connaît pas qui façon pour passer, elle connaît qui filière pour faire, pour freiner cause insécurité, pour camper cause kidnapping dans le pays. Que l'on veut ou non, c'est parce que kidnapping, non, li profite à bouillon, li gen rentre pour yon, le pot l'argent dans poche, le pot l'argent dans le budget, qui fait jodi en là, pas gagner des stratégies, pas gagner des mises en place qui fait pour freiner insécurité, pour freiner violence d'État, pour freiner crime d'État qui fait. Et moi-même, comment André Michel l'a lui-même dans le pouvoir? Si c'était sous Jovenel Moïse, tout à pour yon, gen t'a mobilisé là, yon pral dou, yon pral pote plainte. Devant cour pénale ou bien pas qu'on est devant l'autre institution, devant l'autre tribunal international, yo, pour yon dou, c'est crime d'État qu'a fait là. Pour yon dou, c'est crime contre l'humanité qu'a fait là. Yon tap dou li très clairement. Yon tap fait le dou. Mais nèg yon nan pouvoir, je dis, yon ferme les yeux. Massacre fait. La Saline massacre. Delma 32 massacre. Nazo massacre. Yon ferme les yeux parce que yon nan pouvoir. Yo ferme les yeux parce que jodi an la c'est eux même qui a décidé yo gen droit de tremper dans l'insécurité. Yo gen droit de tremper dans ça qui a passé en dedans pays. Et d'autant pas gen honte politique, d'autant pas gon stabilité politique, insécurité a pas jamais baissé. Parce que yo lié l'insécurité liée à la politique. Insécurité en jodi an qui gen là, c'est un moyen pour nèg yo montrer que c'est yo même rapport de force c'est dans clan yo. Parce que c'est eux-mêmes qui gagnent autorité pour camper en sécurité si yon pas stoppé. C'est eux-mêmes rapport de force li nan balance par yo. C'est eux-mêmes qui gagnent autorité, c'est eux-mêmes qui assoient autorité yo, c'est dans leur camp. Donc, comment nous ka fè jodi an, en tant que de simple citoyen, en tant que de personne ordinaire, en tant que moun yo pi marginalisé yo, en tant que moun yo pi humilié, yo pi ridiculisé en dedans pays, en dedans société, moun yo pa pran pou rien yo, comment nous ka changer rapport de force pour nous chavirer dans balance, nous dans camp, nous dans bon panon. Oui, gen bagay nous ka fè. Parce que le silence, là nous fait silence. Silence sans niveau acceptation. Nèg lan jodi an la, la tout pizou ou fait silence, c'est plus liberté ou bali pour tout pizou. C'est plus route ou bali, c'est champ libre ou bali pour tout pizou pirede. Mais le nèg la tout pizou, la pour presser ou camper en face au presseur, dit au presseur, comme ça passe, c'est suffit. Abraham dit c'est assez, m'pap prend comme pap continuer encore. Nous pensons qu'il y a pas continuer dans même ligne, non? Nous pensons qu'il y a aller dans la même ligne, non? Moi-même, hier, je te dis non, bagaille. Hier, moi, je toujours tourné à même petite anecdote ça pour me faire comprendre que, il y a des bagailles qui passent sous scène politique, là. Il y a des décisions qui prennent sous scène politique, là. Il prend avec aval international, il prend avec aval direct États-Unis. Comment on peut dire, moi-même, ça, je ne sais pas, je ne comprends pas. Sous Jovenel Moïse, tu as gagné une manifestation que tu as faite. Près de 1,5 million de moun pran la rue. La limdou, son ti minorité qui prend la rue, c'est pas rien d'important, rien de sérieux qui pas ka ébranler Jovenel Moïse. Parce que le sa, moun sa yo, yote nan kan Jovenel Moïse. La lim binu ko groupe, yote nan kan Jovenel Moïse, yo pot ko bay feu vert yo pour assassin criminel haïtien yo, pour délinquant gang politique sa yo, pour yote sié avec mon président. On bay kon sa lié. Lè yo avon, yo moutro yo avon. Pa gen rien ka fèt an dedan peyi an pou nèg yo wèl, pou yo konsantil, pou yo wèl gen sensi, pou yo wèl li gen valeur, li gen dimension gen. Kou yon touye Jovenel Moïse, kou yon fin assassine président, jodi an la ouè tout bagay profitable, pou yon tout bagay, ou tout sa ka fèt la, ou pa yon fè mes yeux,
Ah, mes yeux internationaux fait mes yeux par écrit cause insécurité, nous connons cause insécurité, nous c'est nous qui victime de lui. Nous on parle de bagarre, pas qu'on ça pas intéressé yo, pas qu'on ça pas intéressé yo. Je dis qui ça ca fait. Rapport de force comment ca chavirer pour venir dans balance sport pour venir dans bon port. Nous lancer mouvement parce que qui ça pral gen là. Ou lance un premier mouvement grande mobilisation. A toujours gon façon que on pral faire contenance. Il a toujours passé au état-major la police en l'ordre là pour contenir un mouvement de protestation. Il va utiliser gaz lacrymogène à gogo. Il va essayer contenir un mouvement pour sortir en bas et place de la République. Il a sorti place de la République, il a passé, il va tomber Kafoua aéroport pour monter 32 pour tourner Boudon pour descendre et pour passer pour faire et toujours pour descendre etc. Donc tout parcours là qui est tracé sous tout parcours ça faut nous déjà connaître que PNH va le mobiliser non seulement mobiliser pour éviter trois mouvements de foule pour éviter trois monde et regrouper pour dire que mouvement 29 mars ça pas protéger etc. pour rien qu'à toujours confortable. Pour rien avec acolyte li avec res gang sa yo qui prend tête l'état avec SDP qui paye moun pour moun pas sorti dans la rue pas manifester hein? Donc c'est son bail comme ça y a planifié dans intérêt ou dans seul intérêt yo. Donc ou même jodi an là ou gagne intérêt si ou a participer dans grande mobilisation ça je pral dans manifestation on pral dire non contre sécurité on pral dire à bas violence à bas kidnapping à bas gang officiel gang d'état ça yo qui accapare au tête l'état faut qu'on assure que ou aller de manière pacifique avant tout parce que faut nous pas bailler nèg occasion pour dire c'est nous qui fait violence c'est nous même qui pour ouvrir voie au chapitre pour violence parce que là on pral faire répression faut nous pas bailler. Faut nous pas bailler route pour dire c'est nous-mêmes qui t'ai commencé. Yo répondre avec intimidation nous, yo répondre avec la violence n'a fait. Ça est extrêmement important. Maintenant kounya, là nous fin faire premier mouvement ça par rapport avec ça nous ouais. Par rapport avec Jean le fini. Si nous sorti des milliers de monde sorti, 100 000 monde sorti, 200, 300, 400, 500 000 monde sorti, nous Ariel pas même ta dit le bral font conférence de presse, on note de presse pour le sortir, on tire note pour le dire, ok, il prend note, etc. de ça passé, à mais qui disposition pour le faire, mais qui ça pour le prendre comme disposition. Là, faut nous commencer à passer dans l'étape supérieure. Là. Étape supérieure, là, qui ça le cahier, qui ça le pralier, qui ça le doyer. Qui ça le doyer. Parce que si vous commencez à manifester de manière pacifique, quand vous faites mobilisation, vous dites non à la violence, non à la insécurité, pas de réponse qui baille. Nous connaissons l'étape supérieure là. Ils ont toujours dit qu'il n'est jamais bon de répondre de la violence par la violence. Mais c'est ça qui prend le gain dans le pays. Parce que j'ai une situation qui finit détériorer là. Nous prenons directement vers la désobéissance civile. Ce n'est pas une incitation m'a fait pour une désobéissance civile dans le pays. Mais c'est directement vers ça nous prenons. Parce que nous cherchons la sécurité, nous parlons de la sécurité. Nous voulons stabilité, yo pas voulez nous stabilité. Nous cherchons la paix, yo pas voulez nous la paix. Nous voulons sécurité pour développement, pour nous investir dans le pays, nous pas qu'à joindre. Finalement, qui ça cap gagner? C'est ou même cap décider de faire tête ou justice? C'est ou même cap décider de chercher justice pour propre tête ou pour famille ou pour business ou? Donc, nous voulons qui ça paye, yo pas voulez tomber là. Non, chaos généralisé. Et c'est objectif là ça. C'est objectif là ça la gè payan non katou boumbe côté que même l'autre de nèg abdou Ariel m pa vle intervention étrangère etc. si c'est ça pour nèg yo joine pour yo rete sous pouvoir yo pour yo rete 2 ans 3 ans sous pouvoir encore y a fèl et y a préfèl encore parce que là de manière nationale pas gè aucune stratégie pas gè aucun plan le nou a PNH yo fait des arrestations. Yo fait des descentes, yo fait opération, yo arrêté 3 bandits, 4 bandits, 10 bandits, 15 bandits. Et dans fin mois, le yo bay bilan, yo dou mais qui quantité arrestation, mais qui quantité zam qui saisit. Faut poser tête aux questions qui ça fait, qui suivi, qui fait sous arrestation ça yo. Parce que d'habitude, nous connaissons comment pratique là. C'est arrêter bandits pour un, pour deux libérer. Pour deux, li libérer la rue. Policier ça qui t'a fait travail li, qui t'a pral maré bandi, qui t'a pral arrêté délinquant ça yo, li même premièrement ville menacée. Ville menacée parce que qui s'est arrivé, li pas en danger,
li arrête bandi en lag et puis devant bandi ça ou pensez le garde policier à danger ou pensez bal ça pral garde policier à danger et surtout le policier a travaillé pas contre qui est-ce qui bon policier pas contre qui est-ce qui faux policier li pas contre qui est-ce qui dans gang avec li pas contre qui est-ce qui pas dans gang avec donc je dis là policier a fait travail c'est normal pour ville pour sentir menacé oui c'est normal pour policier sentir pas en sécurité. Donc, vous pouvez dire mon policier cabaye rendement pendant que le sentil pas en sécurité, émotionnellement, psychologiquement, instable. Qui rend mal pour le bail là? Qui rend mal pour le bail? Alors, que lui connaît, gang nan, moun kap alimenter insécurité, moun kap alimenter réseau gang nan, li au sommet de l'État. Donc, qui rend mal pour le bail là? A toujours des arrestations et pas, et qui est pas pillé par ci, par là, mais après ça. Foyer criminogène yo foyer gang yo nous pensons jodi an la pral gen des dispositions qui prend au plus haut sommet de l'État pour contenir yo pour gérer yo pour finir avec yo jamais yo pa prendre et moi même t'vin avec des principes théoriques dans façon pour contenir insécurité pour finir pour arriver à bout de bagaille ça yo théorie yo là les trois c yo là mais est-ce que yo pral appliquer yo est-ce que yo pral appliquer yo parce que m'pa kwè c'est première fois autorité yo m'pa kwè c'est première fois CSPN a tande parler de 3C yo m'pa kwè ça kounye an ou rive dans situation côté que au niveau même du CSPN qui yo même yo responsable de ligne stratégique là et yo même qui responsable de stratégie comment y a fait qui mise en place yo pral faire pour attaquer pour répondre avec représailles bandits etc ou dans CSPN ça c'est gang qui veut. Même si CSPN, c'est bandit qui fait. Ariel Henry, présumé assassin. Bandit, c'est ça lié. Ou bien Bertrand Dorsey, drogue dealer. Criminel, drogue dealer. Présumé assassin. Bon, ça lié même, pourquoi assassin? Pourquoi décider de ça? Pourquoi dire criminel et définitif? Mais présumé. Ou bien Bertrand Dorsey, drogue dealer. Criminel, ça est criminel, oui. Trafic stupéfiant, c'est crime. Ou gagne Lise Kitel intérieur. Présumé kidnappeur. Criminel. Ou gagne Francel B. Parrain une petite criminelle, par une petite gang. Criminel. Bon, ou gagne IGA pour une interrogation lui-même. On continue. Donc, ou déjà, qui s'opprend. Ou prenons poisson crasé dans bouillon. Donc, ligne stratégique est difficile pour vous mettre en place. Si ligne stratégique n'est pas en place, donc ligne opérationnelle n'est pas qu'à atteindre grande chose. Policial pas quand on est calé sous terrain pour aller à la courir, pour aller courir dans le noir, pour le porter tête libre et bandit. Alors que moun qui t'a censé là pour décider pour yon, c'est moun sa yon qui a colite ban et gang, c'est moun sa yon qui travaille de concert avec gang. Donc, c'est normal pour gagner sécurité, c'est normal pour gagner instabilité en l'autre pays. Maintenant. Troisième point, c'est réussite. Qui ça nous attend de grande mobilisation qui prévoit pour demain là? Chance de succès, li, réussite. Li certain que mobilisation lancée. Li certain que qui grande publicité qui fait pour lui. Société civile là, nous sommes actifs. C'était même gens pour mouvement Petro Caribéen. Yo actif, yo souterrain, y a mobilisé moun, ka leve ka mobilisé moun, collectif ka descend a mobilisé moun, ou est acteur politique yo, ou est différents acteurs politiques, gen Clarence Jonon ka mobilisé moun, ou gen RNDDH ka mobilisé moun. Je dis là, toute société civile là, des séries de nèg qui sous scène politique là qui yo même yo pa na accord en septembre Ariel Henry ka mobiliser moun des séries de anciens alliés opposition politique là qui pa nan pouvoir jodi an qui a mobiliser moun et même sou di nou tout à l'heure faut nous analyser comportement en paquet ancien allié opposition politique André Michel là jodi an yo même qui mobiliser pour yo prendre la rue nan manifestation de mai nan manifestation 29 là faut nous essayer comprendre. Et faut nous essayer garder position, comprendre position parce que nous même qui ça nous voulait. Nous voulait éviter prendre un coup de bas. Nous voulait éviter prendre et cimeter qu'on est. Oui, parce que faut nous garder comportement nèg yo, faut nous garder qui ça dans tête yo, faut nous font prévision pour nous pas prendre un cimeter qu'on est et pas trop non, pas trop cimeter qu'on est, pas apprendre, pas accepter etc. Non, faut que nous prudent, faut que nous veillatif. L'autre par exemple est Ornel Belizier.
Ornel Belizère là, li lance et comme youn nan chef de file, comme youn nan moun ka mobilize moun pour prendre la rue, etc. Moi, m'toujou dil, Ornel Belizère, quelques fois sentil bon comportement à Bolotcho. Jodi an c'est li, demain c'est pas li. Et comme si li vle montrer quelque part groupe André Michel la SDP, yo ta fon bagay ki te sérieux en dedans pays. 4 ans de cela. Moi 4 ans de cela André Michel bagay en sérieux t'a fait. Si te gon bagay ki sérieux t'a fait jodi an pa nan pouvoir. Jodi an kote l camper, elle pa t'a camper là. Jodi an pa t'a nan bwè le lèt, li pa t'a nan bon goul, pa t'a nan sensil, pa t'a nan sel, pa t'a nan fraude za yo. Nous comprenons la réalité, parce que l'on mène un mouvement, l'on fait bataille pour le peuple, ou parler sur téléguido, parler sur guidé par intérêt personnel, intérêt mesquin, causer machine, etc. Et bien ça, il n'y a pas de valeur, l'on fait bataille pour le peuple, parce que c'est pays où voulez libérer, c'est population où voulez libérer de fardeau, de poids, la poté, où voulez retirer la bague, il faut prêcher, pas quoi c'est le moment pour ta vendre mouvement, pour ta liquider mouvement. Moi, beaucoup de bas, moi, comment Ornel Belizère te prend en bas nèg SDP sa yo jusqu'à ce que t'a pral wè li te décide finalement l'elle te dans prison li dit pa nan André Michel pour défendre li retirer André Michel dans liste avocat. Mais c'est pas seul André Michel qui t'a bal coup de bas des séries de acteurs politiques qui t'ont influent l'elle t'a bataille avec nèg yo dans Diopod pou yo arrêté Ornel Belizère tout nèg fait silence parce que yo pas vle en affaire avec blanc. Jodi an la, ou elle Ornel Belizère sorti, ou elle tourne kokota cigare avec Nexa, ou faut poser des questions. Ou pral di m son bataille pays ka fait, pa gen problème. Sou di m OK, et li mete rancœur de côté, li mete orgueil de côté, li décide réunir avec tout. Nèg pa gen problème. Pa gen problème, c'est possible. Mais en dépit de tout ça, en dépit de tout ça, faut nous vraiment vigilant par rapport avec des séries de monde qui pral dou pral prendre tête mouvement. RDNP avec Éric Jean-Baptiste, li lance mouvement. Nous sommes pas qu'un acteur politique qui à un certain moment t'a fait payer en mal, t'a fait payer en tort, je dis, ou est au campé ou dou non insécurité pas qu'à continuer comme ça. Kidnapping pas qu'à continuer comme ça. Rédemption moi même quoi vraie rédemption c'est libérer pays. Vraie rédemption, c'est pas dit que, ok, Kounia, Ariel Henry, pas pour mettre rien, il pas font merde là, faut nous lever campé d'elle. Vraie rédemption, c'est pas courir, il mettre pas bon côté peuple là, pas bon côté monde qui souffre, au monde qui pis faible. Vraie rédemption, c'est libérer pays, ça ne dit qu'on était volé pour peuple là, c'est bail peuple là. C'est pas là que tu miettes pour population, bail petit bout d'amour, nez, travail, etc. Oui, c'est bel geste. Mais nous prenons trop, nous fait payer en trop. Nous volons trop dans qu'est-ce l'État. Nous faisons des séries, nous empêchons malheureux de jouer un prêt, alors que nous-mêmes, nous prêtons pour 50 ans, nous prêtons pour 90 ans. Qui leur nous prêtons remettre les? Nous déchèpions BNC, nous déchèpions ONA. Malheureux, cap. Nous avons travaillé dur. Nous avons travaillé dur dans la factory. Nous avons travaillé dur quand nous avons travaillé dur. Nous avons travaillé dur. Nous avons pris humiliation, nous avons pris déception. Et puis, qui est-ce qui a besoin de l'argent? Nous avons fait prélèvement depuis en l'air. Qui est-ce qui a besoin de l'argent pour prêter pour 90 ans, pour 70 ans, pour 50 ans? Sénateur, député, directeur général, tifon ministre, tifon ministre, etc. Ce n'est pas possible. Et puis, vous avez Abdou en Haïti, il y a égalité de chance. Il a fait promotion pour égalité de chance. Quand égalité de chance ça est là. Petite soyette elle pas même chose avec petite et nèg en l'air non. Il a pas gagne même chance parce que il a pas assujetti avec même principe, il a pas assujetti avec même règle. Non, pas gagne bagaille comme ça. Pas gagne bagaille comme ça. Je retraite petit Pierre, c'est pas comme ça retraite madame Jean. Je retraite petit Pierre, c'est pas comme ça retraite monsieur Intel, monsieur Z. Nèg la descend nan ONA, li prêté $700,000. $700,000 pour 50 ans. Et puis, moun sa kap travaille du nan factory. Moun sa kap travaille du, kap leve 5h du matin, kap rentre la kaili 9h du soir. Li même, li pa kap prêté même 10 000 goud. Li pa kap prêté même 50 000 goud pour la louvre un petit business, pour la louvre un petit boutique. Et puis, nèg la kap vinye travaille. Nèg la, ki pa prêté gros merde. Nexa, sénateur, député, DG, tizan mio, qui pas plus si le pays en merde, l'a bien touché, l'a joué bon gens prêt, et puis li confortable.
li jwenn l'argent pour créer insécurité, li jwenn l'argent pour acheter zambay dans ghetto. Et puis nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui payons podcast. C'est nous-mêmes qui mettons l'argent dans Ona. C'est nous-mêmes qui payons podcast. C'est nous-mêmes qui payons conséquences après. Bon, on nous prend avant nous aller dans la rubrique là, avant nous aller dans la rubrique internationale là, on nous prend posément un regard, on va tourner après. Mais c'est nous-mêmes qui faisons Bekate, Zesof Moringa pour tes solutions pour nous. Gains outils si on peut mal cap permettre allonger peni ou bal longueur ouvlé pour mon ouvlé. Gains bande si on comprimé cap permettre gain bon gens endurance sexuelle. Wow. Pour plus information, relève dans 514 886 97 76 ou bien visitez site là www.zesofmoringa.com. Depuis les m'a utilisé pour mal gains outils à comprimé gain bande. Mesdames, c'est mariage seulement y a demandé. Moi tout mais après présent et j'aime bien annoncer nous la commence mes émissions une nouvelle rubrique que me porter pour nous c'est la page internationale que un jeune diplomate haïtien Guerrier Mackenlove a gagné pour présenter pour nous. Jodi là l'a gagné pour parler de et de position en paquet de pays dans le continent africain yo même yo prend par rapport avec guerre par rapport avec conflit qui opposait la Russie avec l'Ukraine parce que nos États-Unis a voué puis en pile yo fâché parce que il y a quelques pays là yo t'ai attendre support yo t'ai attendre que différents pays en Afrique ont pris position contre la Russie, ont sanctionné la Russie, ont voté pour retirer ambassadeur de gain dans pays Russie. Mais là ouais pays ça eux même décidé ont été ferme sous décision, ils pas rentrer dans conflit, ils pas suivre États-Unis, ils pas suivre Occident, j'aime ouais il a porté bourrer la foure des pieds devant de la foure. A fourré quoi le pieds long des pieds devant dans dossier Ukraine là et pays ça eux-mêmes ont choisi ont été neutre, ils ont choisi ont pas prendre position. Donc et Guerrier pas expliquer nous en long et en large, ça qu'a passé et pour qui raison pays ça même choisi au camper sous décision. Restez connectés, nous allons apprendre en pile bagarre avec Guerrier, m'assurer nous ça et n'a pas dit encore. Bonjour Yannick, bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour me parler avec nous. Nous c'est Mackenlove Glorien Guerrier, diplômé, licencié en diplomatie relations internationales, coordonnateur jeune acteur pour le changement. Je dis à mon vin parler avec nous dans la rubrique ça comment yo conflit qui gagne entre Ukraine et la Russie en Afrique. Faut que nous capables de dire deux mars qui sont passés, il y a un gros assemblée générale qui était faite dans les Nations Unies côté tout pays sous la tête réunis pour permettre que vous êtes capable de prendre position vis-à-vis de conflit ça. Les pays africains étaient trouvés dans une situation extrêmement difficile pour être capable de gagner une position ensemble. C'est ça qui vient faire que position que vous êtes gagné apparaît anticale, ambigu. Donc, surtout, elle a considéré la position du président sénégalais, qui c'est Macky Sall, côté que les gens ont un discours qui est controversé. Donc, d'une part, en tant que chef d'État du Sénégal, l'État PC est tenté pour capable jouer sur l'opinion publique nationale, là, côté qui est toujours positionné comme anti-français, anti-occidental. Et d'autre part, en tant que président de l'Union africaine, il a pensé adopter un discours plus ou moins nuancé en faveur de l'Ukraine. Et l'un considère position sud-africaine, par exemple, qui pensait que résolution ça allait même pas créer vraiment un environnement favorable pour que les négociations soient capables de faire pour qu'il y ait un rapprochement entre l'Ukraine et la Russie. Madagascar lui-même était fait abstention également. Et pour plusieurs autres pays, donc au Mali, qui trouvaient une situation plus ou moins compliquée avec la question de transition démocratique là-dedans. Donc, nous sommes capables de dire que la majorité des pays qui font partie du continent africain, soit environ de 28 pays, ont été prononcés en faveur d'une condamnation russe. Donc, influence diplomatique russe, l'été joué en pile dans la controverse question ça. L'en considère en 2018 que l'échange commercial entre la Russie et le continent africain, par exemple, il a gagné un total de 20 milliards de dollars, soit 17,2% de plus que 2017. Et ça expliquait raison qui fait totale influence la Russie en Afrique, surtout l'en considérer allié que
et sûr qui gagne dans la région qui gagne en puissance, qui c'est la Chine qui a utilisé le software et surtout qui repose l'économie en termes de matières premières et exportation vers l'Afrique, son bagage extraordinaire. Et pour nous capables vraiment comprendre pour qui ça pays africain ont essayé plus ou moins diviser sur question de positionnement que gagné dans l'Assemblée générale des Nations Unies, faut d'arrêter retourner dans l'histoire. Retourner dans l'histoire qui va permettre que nous comprendre qui ça passé. Après chute du mur de Berlin, démantèlement du bloc de l'Est qui va venir mener avec guerre froide là et surtout chute de l'URSS, influence russe là en Afrique, il commence à réduire. Mais depuis le Poutine est arrivé au pouvoir depuis une vingtaine d'années de cela, donc Vladimir Poutine lui-même est venu ensemble avec une autre idéologie, avec l'autre stratégie. L'autre stratégie pour permettre que la Russie qu'a reprendre influence li en Afrique. Et nous allons commencer à comprendre à partir des années 2000 que Vladimir Poutine lui-même est venu ensemble avec, par exemple, Mwako, ensemble avec l'Algérie, pour permettre qu'ils puissent annuler les dettes contre la signature d'un contrat d'armement. Par exemple, tactique que la Russie lui-même a utilisée en 2000 et en 2008 en Libye, côté que il a été annoncé qu'il a annulé toute dette qui était gagnée dans un contrat, question qui lie ça avec ferroviaire et de faciliter de venir plus installation de gaz pour qui ces compagnies qui occupent des gaz dans la région. Donc il y a plusieurs autres gros contrats qui étaient venus, on m'a dit qui signé entre la Russie en Afrique qui gagne en pile enjeu, qui gagne en pile intérêt là-dedans. Sur une période de 2014 à 2019, la Russie lui-même seulement les fournit 49% d'armes à continent. Sans que nous ne considérions les armes que nous fournissons avec des mercenaires, par exemple, quand tu as un groupe Wagner qui est très actif dans la région, dans plusieurs pays qui font partie du continent africain. En 2020, l'échange commercial qui était gagné entre la Russie et l'Afrique était vraiment monté à un total de 14 milliards de dollars. Dans un contexte malgré une pandémie qui lie ensemble avec le coronavirus dans tout le monde là, pourquoi pas dans la région. Il y a plusieurs autres facteurs qui t'ont expliqué raisons qui permettent que l'influence russe lui-même a augmenté en Afrique. Tout d'abord, la Russie lui-même n'est pas souvent conditionnée aide que la baille ensemble avec le pays. Contrairement avec l'Occident qui toujours a pensé qu'il y a avec question droit de l'homme, démocratie et pour ne citer cela ou seulement. Par exemple, au Nigeria, États-Unis lui-même était annulé un contrat qui était déjà signé parce que il était jugé gain violation des droits de l'homme par les forces nigériennes côté que te gain lutte contre Boko Haram qui c'est un groupe terroriste qui gain dans la région. Donc, ça permet que la Russie lui-même les signe des nouveaux contrats de coopération militaire avec pays ça. Donc, c'est des stratégies qu'elle a utilisées pour imposer influence li dans la région. Il y a plusieurs autres domaines que la Russie lui-même a essayé influencer ou bien intégrer plus dans la région. Par exemple, l'en considérer question qu'il y a avec diamant. Alrosa avec compagnie, avec entreprise Alrosa pour diamant, Rosal pour aluminium, Rosaton pour question nucléaire, et Lukoil pour pétrole, pour ne citer cela ou seulement, il y a un paquet. Mais surtout, il y a plusieurs opérations entreprises, par exemple en Angola, en Guinée, en Namibie. Donc, dans les pays, ils ont été obligés de faire abstention dans le vote. Des résolutions qui t'a fait dans l'Assemblée générale des Nations Unies de mars qui s'est passé. La Russie également a mené une stratégie d'influence, non seulement à travers les médias, mais surtout à travers le soft power, pour qu'elle vende culture, pour montrer que y a une coopération, nous voulons apprendre de l'Afrique, Afrique apprendre de la Russie. Et coopération, ça a eu des bons gros retombées économiques. Non seulement les utiliser et centres universitaires pour capable faciliter des Africains à faire des études supérieures l'autre bord. Donc, il y a 17 pays africains qui ont vraiment fait abstention dans le vote.
mais surtout gagner président sud-africain qui c'est Cyril Ramaphosa, lui-même il était dit clairement que c'est l'OTAN qui est responsable de tout ça qui a fait là. Donc invasion russe en Ukraine, il était réitéré critique à l'égard rôle Conseil sécurité Nations Unies a dû jouer pour éviter conflit. Donc si il y a 28 pays en Afrique qui ont voté en faveur de résolution ou bien qui condamnent l'invasion russe, il y a 17 pays africains ou même qui ont fait abstention dans le vote. Donc il y a vraiment l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Ouganda, Burundi, Sénégal et Soudan du Sud, le Mali et Mozambique. Pays ça c'est eux même qui te fait abstention. L'autre pays eux même tant que Soudan, Namibie, l'Angola, Zimbabwe, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Madagascar, Tanzanie et Congo et eux même ils ont voté pour. C'est seulement et l'Érythrée qui sont pays africains qui t'ont voté contre résolution. C'est celle lui même. Sinon il y a 8 pays africains qui pas de voter tant que même Jean-Maroc était là dedans tout. Et mais surtout ça qui vient controverser question hein, dernière actualité internationale, il y a une réunion côté que il y a une assemblée que t'a fait et en commémoration pour capable voter soutien avec Ukraine. Il y a un incident diplomatique qui passé côté ambassadeur ukrainien qui trouvé en Allemagne, lui même il était critiqué publiquement dans cérémonie en dirigeant allemand et côté que il a pas envisagé pour déclarer persona non grata avec ambassadeur. Donc ça vient faire toute raison ça me saute cité là ou montrer que c'est vraiment compliqué pour pays africains de gagner cette position. Mais espérer que nous t'ai passé un bon petit moment ensemble après pas trop longtemps. Pour l'autre rubrique, c'était Marken Love Glorienzer qui était avec nous. Merci. Merci. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien on agit. Entre désespoir, de machination politique, et l'ennemi dit, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel Paula pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral fait débat, c'est toujours même Yannick l'en même voix.